Et le voilà pour cette dernière partie de Sword Art Online. On va faire pas mal de petites choses, mais avant tout, on va aller faire ce fameux boss dans la vallée de Wugloud. Wuglid, pardon. Vous savez, le fameux boss des kobolds, qui est niveau 500. Mais avant tout, je vais vérifier les armes que j'ai récupérées, parce que j'ai récupéré pas mal d'armement, hein, comme vous l'avez vu, hein, pour les petites quêtes annexes. Alors, voyons voir. Ah oui, il y en a un paquet. Oula. Oh, Uzumidori. Un nouveau katana. Nice. Alors, j'ai réfléchi pour le personnage. On va pas prendre Silica plutôt, mais on va prendre... On va prendre simplement Yuki, hein. Que Yuki ça serait meilleur, la meilleure chose à faire pour elle. Allez, hein? Alors on a eu pas mal d'armement, on va les vendre. Non, je vais vendre. Dommage qu'on voit pas un petit truc new quand vous recevez un nouvel item. Comme ça, ça vous permettrait de savoir qu'est-ce que vous avez reçu. Ça serait sympathique pour se débarrasser rapidement des items qui ne vous intéressent pas. Bon, là, c'est qu'ils arrivent en dernière position, ça doit être ça aussi. Je sais pas. Ça doit être ça le truc. Kanzachi. Kizako. Une lance, je dis. Ça, c'est pour Strea. Gaï Volga, Asta Taripika, juste de Gaï Volga. C'est un peu Arigatone. Arigatone. C'est bon. Revurieuse, merci de votre fidélité pour cette dernière partie. Merci d'être venu. Marteau de Midgard. Oh, pas mal. Ça va être pour Lisbeth. Frayeur. Ouh, ça c'est pour toi, Igil. Uzumidori, ça c'est bon. Siriuken, on le va. Kotetsu. En général, le I, on le prononce pas en japonais. Hein. Mais pour certains noms, on est obligé de le prononcer. Pour finir à... une intonation comme Natsu. Au lieu de Nats, on dit Natsu. Après, vous avez les exceptions, bien évidemment. Pour Erza, on dit pas Erza, mais Erza. Vu que le U n'est pas prononcé. Mais l'écriture se fait avec le U. Après, ils ont décidé d'écrire sans le U pour donner plus d'impact sur le nom du personnage. C'est une façon de voir les choses. Wow! Mal! Quoique la mienne est mieux parce qu'elle me donne une plus grosse. Ouais. Ouais, ouais, on va regarder. Aquati, une lame noire, attraper la main. Allez, on va chercher Yuki et on part faire ce boss. Ah, il se peut que dans la semaine j'ai quelques trucs à faire, hein, en après-midi, donc je serai pas forcément sur à faire du live. Hein. Ça, je vous préviens de toute façon au cas où, si jamais j'ai un problème connexion ou autre à faire, enfin si j'ai des problèmes IRL ou autre, je mettrai en haut, hein, pas de live pour aujourd'hui, etc. etc. Ouais, donc pas de soucis. Ah, j'ai oublié de mettre. Ah, Yuki, je t'ai oublié. Merci pour tes services, Klein, et à bientôt. Ah, Ikuzo. Allez, c'est parti.
Combat contre le chef Kobold avec Asuna, Yuki et moi-même Kirito. Non, Erza. Oui, forcément. Ça change un peu, voilà. Ça met un peu tard puisqu'on a débloqué tellement de zones maintenant. C'est parti! Alors, si je me souviens bien, le boss est là-bas. Hey, comment ça, hey? Ah, d'accord. Il est ici. Là-bas. Je le vois. Bon, on va voir si on arrive à le gérer. Déjà, on va s'occuper des mignons, hein, nettoyer un peu tout ça. On va s'occuper de faire. Ah, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Waouh, tout ça d'un coup! Oh, joli! Allez, c'est parti, on l'attaque. J'ai verrouillé ça, ça, c'est bon, c'est parti. Voilà, il pique un peu. Vas-y, tu me vaincras pas! Oh, yeah. Tu vas me le payer! Rah! Oh, on a vécu! On l'a défoncé! Magnifique! Magnifique! Peut-être récupérer une ferme ou un truc comme ça. Et voilà, ben c'est fait. Ben, le boss a été vaincu en 2-2. Un niveau 500 démonté. Maintenant, on va essayer de faire le boss du désert. Là, ça va être plus tendu parce qu'il y a 4 barres de vie. Hein, c'est un boss particulièrement puissant parce que c'est un niveau 700. Donc, il y a 300 de différence entre nous et lui. Hein. Non, pratiquement. Enfin, non, 250 de différence à peu près. Ou 230, je sais plus. Quelque chose comme ça. Hein. Je suis pas très bon en calcul mental. Désolé pour ça, des choses qui arrivent. Oh, un peu de méchant. Mouret. Bonjour. Adieu. Bah oui, forcément, on va shot, hein. Allez, pique un peu. Ouned. Allez, oh. Allez, on y va. Mais non, mais... C'est pas trop ce que je voulais, mais c'est pas grave. Mon mana se recharge très vite, donc ça ira. Allez, le sable. Je sens qu'on va mettre un petit bout de temps pour le battre. Normalement, il est en haut. On y va. Il y a pas mal de choses aussi à récupérer ici. Hein. Tout ce qui est coffre, tout ce qui est objet rare. Y compris dans certains petits donjons. Hein. Cristal ardent. Le blas. Ça va être chaud, ça va être vraiment chaud. Il fait chaud puisqu'on est dans le désert, oui. Mais après, ça va être chaud de le combattre. Salut toi. Oh, il m'a pas vu. Allez, prends ça. J'ai vu. Ah, il va pas encore calculer. Si, ça il va calculer. Il va un gros là. Allez, ma gros. C'est parti. Ouh, il fait un peu mal. Je tank un peu mieux déjà. Ouais, ça va, je fais un peu plus de dégâts. Bon, je trouve les points faibles. Là. Ah, ça va, je fais quand même pas mal de dégâts. Hein. Regardez, j'ai perdu un quart de vie. D'accord, ok. Il fait moins mal déjà. Je rappelle que je suis 380 je crois. Quelque chose comme ça. Ah,
Magnifique. Et on enchaîne. Oh là, je vais te calmer un peu. Parfait. Casque et Yuki, Shinanai. Ah, il va pas. Vite, parfait. Raté. Là. Oh, j'ai bien senti le coup. Ouais, j'ai comme la Ratian. Sauvé avec la tête. Allez, on a bientôt fait 3 quarts du travail. Vous voyez, hein, tous les boosts que je reçois, ils sont très 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 utiles hein, par un soleil. J'ai à peu près 300 de défense, donc forcément je prends beaucoup moins de dégâts qu'auparavant. Vous voyez, les quêtes sont très intéressantes à faire. Hein. Des fois, elles peuvent être barbantes, mais elles rapportent énormément au résultat. Parce que là, je me ferais one shot hein, de base. Et on enchaîne. Oh, magnifique. Allez, ça pique. Oh, presque bien. Presque fini. J'espère que la récompense vaudra la peine. Allez, on se remet en selle. On se bat. Et on le... bonjour. Ouf, Yuki elle a pris une baffe hein. Et t'es... Kisama. Allez, c'est parti. Kisama, Yokumo. Tachi Tatakao. Oh, magnifique la défense, magnifique. J'ai rattrapé juste son bout. Si seulement Yuki pourrait lancer son combo avec moi, c'est super. Allez, c'est parti, go. Oui. On l'a vaincu. Yosh. Enfin la vengeance est prête. Elle a été faite, ça y est. Enfin le boss a été vaincu. On fait une petite récompense, un bonbon. Des fois les gens qui me crient des messages, je ne comprends pas du tout ce qu'ils disaient. C'était chaud comme combat en tout cas, c'était très chaud. Mais c'est bon, c'est géré. Ah ouais, après quand vous avez l'habitude d'utiliser vos personnages, ça va tout seul.
Ah, je suis content d'avoir vécu. Franchement, je suis content comme tout. Ça fait super plaisir. Et du coup, on va sortir Flowshield, hein. On a encore un boss à battre là-bas, hein. On va leur faire la peau. Par contre, c'est sûr que les gardiens des ténèbres, ça va être plus chaud. Allez, partons en Flowshield. Alors, 5 minutes, on a fait déjà deux boss. Hein. Alors, si j'ai bonne mémoire, il est quelque part par là. Le voilà. Au moins une bandax, ça m'a. Tata Kauzo. Y'a le scanaï. Pas assez près. Non, toujours pas. Là, il m'a capté. C'est bon, joli. Niveau 700. Ça devrait passer. C'est toujours les mêmes de toute façon, hein, donc pas de soucis. Oh là oui, oh là oui, j'ai vu un 900, j'ai vu un 900. C'était limite, hein. On a perdu quand même un quart de vie déjà. Attends! Il m'a fait bien mal, hein. Et tiens! Non, 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 non. La queue, c'est mort. Pique. Merde, qui est morte. Faut la résoudre. Asuna, je sais. C'est la compétence. Hein. Oh! J'ai réussi à lui péter une coquille sur son cou. Oh, je l'ai carrément paralysé. Bah là. Oh, j'ai pas compris du tout là. Alors, encore une couche. Ah, j'adore cette attaque, elle est tellement stylée. Aïe, ça pique un peu. On va lui rebaisser un peu sa défense. Oh. Wow, 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 ils sont où là? Qu'est-ce que c'est tout ça? Il est où le monstre? J'ai perdu. Ah, là-bas. Ta-ta-ta-ta-ta. Ah, j'aime pas quand ça change comme ça, c'est pénible. Ah, j'ai perdu mon compte. Toi, tu commences légèrement à me gaver. Du coup, prends ça. C'est bon. Là, il est en état de choc. Ah, et après, il y a tout le monde qui me gêne là. Oh, magnifique. Tiens, Marco. Tiens, mon Yuki. Il est fort, il est vraiment fort. Si je reste à son corps à corps, c'est bon. Ah mais c'est pas je voulais pas. Faut que j'enchaîne des critiques là. Yuki.
me mets très rapide hein, pour réussir. Oh là là, magnifique. Oui, même avec un niveau 400, on pouvait gérer un boss 700. Il est bien préparé et bien équipé. Vous avez des bonnes résistances élémentaires hein, et physiques, vous allez tenir le coup. Et surtout, bien entraver le boss. Hein. Aïe. On lui garantit toutes ses défenses et tout ce qui va avec. De ralentir, surtout, bien évidemment. Ah, que ça va. Pas passé loin, ça là. Allez, on y est presque. Ah, Yuki encore au défense. Faut que j'attende que Yuki soit relevé. C'est bon. Yosh! Yosh! Level 380. C'était chaud, c'était vraiment chaud le combat parce que à chaque fois je prenais des dommages, mais si j'avais pas une bonne résistance, je me faisais carrément déboîter. Et voilà, c'est fait. On a enfin vaincu 3 monstres des 3 zones. Aïe! On a jamais baissé sa vigilance, bien évidemment. Hein. Bien sûr, il y a d'autres boss aussi dans les zones de Oubli et compagnie. Hein. Un doppelganger. Coucou toi, ça fait longtemps. Tu sais que tu vas mourir. Voilà. Allez. Pas de coffre dans le coin. On sait jamais, hein, des fois il peut y avoir des coffres cachés un peu partout. Et surtout dans ces coffres là que vous pourrez avoir de bons loot. Pour descendre, hein, c'est deux fois croix. Hein. C'est pour ça que des fois je saute un petit peu en même temps. Allez, il reste 30 minutes de live, donc du coup, ben, on va passer aux zones des ténèbres. Et on va attaquer le donjon, qui est ben, demandé en premier, hein, c'est-à-dire celui avec la lumière rose. Oh, il y en a un qui m'apparaît un peu bizarre, là. Et voilà, au revoir. Aïe, aïe, aïe. Alors, où est le téléporteur? Là-bas. Merci. Ça fait du bien de ne plus avoir cette limitation. Hein. Mais que c'est dans ce niveau qu'on a cassé la limitation d'altitude. Limiteur d'altitude. Allez, les ténèbres. Exo. Et la war enfin impérium a commencé, tiens. Donc le château, il est là-bas.
Ah, il est PNJ là. Attends, attends, reviens qu'il est temps. Oh, 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 tu me donnes la nausée là, arrête de bouger. Bonjour. On approche de la fin, mais on compte bien conquérir cette zone à bon niveau. Ouais, super. Tu rêves. Tiens, comment on se retrouve? Vous rêvez un peu, les gars. C'est nous qui allons passer en premier. Fairy Tail gagnera avant tout. Car c'est nous le challenge. Alors, violet, rose. Quoi qu'il y ait la balle rose. Il y a des gens là. C'est Shamrock qui conquérera Svartalheim. Ouais, ouais. Continuer à servir de boucherie. Bah ben oui, puisqu'ils sont sacrifiés pour avancer. Hein. Aïe, aïe, aïe. Même système. 3 téléports différents. Bon, mec, hein, faut y aller. Aouh, tatatata. Ah, les cocatrices en plus. J'avais besoin pour une quête, ça tombe bien. Aïe, tatatata. Renfort de katana. Nice. Bah, 2 secondes, je vais en profiter vite fait. Donc, le renfort de katana, c'est un truc qui est parfait. Il est où? Ah, y'a pas. Bon, on va mettre ça déjà. En vente katana, ah ok, c'est un passif. Et pour Kirito, Asuna aussi. Je vais Asuna, Asuna Chan. Ouf, la totale elle. Normal, elle fait que faire de la magie avec moi. Elle fait que faire des combats avec moi, non, forcément. Hein. Renfort d'eau plus. Ouais, énormément de trucs. Créature de boss. Renfort de plus, on va le mettre. Voilà, parfait. Pas d'altération plus, dommage. Ah. Mauvais Rosario. Ah, la voilà. La fameuse technique de Yuki. Ah, Yuki, elle devrait l'avoir aussi cette compétence. Mozart Rosario. Chicane, Yuki. Et Mozart Rosario, elle est où? Elle est pas? Oh. Ouais, c'est vrai qu'elle a donné, mais bon. Côté. Bizarre. À moins que ce soit sur les pays de main. Ah voilà. C'est pour ça. C'est pour ça. Et Kiritokun. Mais évidemment, il y a des trucs à mettre. Est-ce que j'ai une nouvelle? Non, j'ai fait le maximum. Donc bah, pour le prochain live, on passera l'épée à 2 mains. Pour Kirito. Histoire de voir ce... Oh! Lumière bienfaisante repose sur le tirasseur, repaisant et mana. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout. Un repérage en fait, hein. Je m'en sers pas des masses. Ouais, je vais mettre plutôt le mana. Ça sera plus judicieux. Chasse au trésor, vol utile. On est dans un monde de ténèbres, donc c'est plutôt un renfort de ténèbres qu'il me faudrait. Renfort d'œil, voilà, parfait. Et j'ai besoin d'un renfort dans l'économie d'énergie, parfait.
Ah, j'ai pas mal de trucs qui se sont débloqués, mine de rien. Regardez ça. Économie d'endurance S. Ouais, je suis prêt. On peut y aller. Attends, 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 attends. Vous êtes faible. Vous ne me battrez pas si facilement. Vous ne nous battrez pas. Kai, kai, kai. On aide. Alors, on va tester un peu ça. Nice. What the fuck? C'est là que ça s'est ouvert. Pas de coffre. On sait jamais. Hein. Ils peuvent cacher des coffres derrière les murs, hein, là où vous regardez jamais. Logique. On aurait par là. Haha. J'en étais sûr. Oula, tu m'as l'air un peu. Quoi? Oh, comment je suis démonté? Comment on t'a démonté? Pardon, désolé Yasuna et Yuki. Oh, des coffres, bonjour. Panacea, yash. Donc là, il faut que je parte soit à droite, soit à gauche. Où est le monstre? Donc c'est celui que je prends. Celui-là. Haha, je suis trop fort. Forcément bloqué par mécanisme. Bon, du coup, faut que je retourne en arrière pour activer le mécanisme. C'est lequel que j'ai pas pris, c'est celui-là à mon avis. Là. Non, c'est pas le bon, c'est le côté. Ça serait lui. C'est bon, c'est lui. Très pratique, hein, le gain de magie. Ça, c'est quelque chose que vous utiliserez souvent dans Ragnarok. Hein. Magnifica permet de récupérer vos SP le plus rapidement possible. Et d'enchaîner les sorts en masse, surtout dans les raids. Alors, donc c'est celui-là. Pas de mécanisme. Ah, j'ai vu quelque chose. Haha. Toujours avoir les yeux bien ouverts. Très important. Oh, ça sent la zone piégée ici. Une porte. Je prends. Évidemment. Je suis sûr qu'il y a un truc à faire pour déverrouiller toutes les zones. C'est bizarre que je ne puisse pas y aller. C'est quand même étrange. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue vraiment. Ah ben voilà. Et ben le voilà le switch. Ouh, il est bon. Heureusement que je fais des critiques maintenant parce que sinon je pense pas que je les tomberai aussi vite. Hein. Voilà. Et j'ai toujours les mêmes épées hein, depuis un moment maintenant. Aïe. Aïe. Très bonne épée d'ailleurs. C'est celle qui prend les dégâts élémentaux. Donc pour le moment, c'est ce que je souhaite. Olé.
Là, j'ai ouvert une porte normalement. Là. Il y avait bien une histoire de mécanisme au final. C'est juste que je couvre correctement les yeux. Non, bataille, Yuki. Ça va. Et comment Yuki on t'a lancé? Raté. Touché. Oh, je vous démonte ta gueule. Je vous dis, c'est très pratique d'avoir le cast plus rapide. Très intéressant. Mais bon, allez, on prend un coffre. C'est une clé, j'en étais sûr. Hein? Allez, cause bruit. Et je vais là, toi. Hop là, je te mets la fessée. Alors, faut aller où maintenant? Là, on l'a fait, donc il faut revenir en arrière. Maintenant, il faut aller de ce côté. C'est là. Ouverture de la porte. Quoi? Ah, c'est bon. Ah, c'est le boss. On arrive au boss. Le premier boss de la zone des ténèbres. J'espère que ça va pas être trop chaud. Bien sûr, on combat. Allez. Exo. Wow. Oh merde, un boss de glace. Là ça va être chaud. Là on s'occupe des gardiens. Ouh, mauvaise idée. Ils sont bien grands en plus. La musique elle est géniale. Je vois pas trop. Ok, c'est bon, Eda. Touche pas Yuki. Attends. Wow, je vais prendre ton pied, toi. Oh, toi, tu m'as... Aïe. Je voudrais kill. Chier. Le boss est tout seul? Non, il y a encore un. Parce qu'il peut booster, hein. Ah, il m'a pété mes skills. Il m'a bloqué mes skills, pardon. Ah, bâtard! Ça va, chiné! Noni? Haha, Ned. J'adore, avec les voix japonaises, c'est tellement bon. Il y en a encore un. C'est mon équipe. Oh regardez, j'ai la trace de blessure dans mon dos. Il a même pas calculé ça. C'est bon, on peut attaquer le boss maintenant. Non, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai merdé. Je vais vous aider ce que je fais. Mais il est... Toi tu commences à gagner déjà. C'est bon. Ah c'est bon, il est à terre. Là on va pouvoir l'attaquer. Allez, faut remettre à terre. Là parfait. Allez, mon mana remonte beaucoup plus vite hein, vu que j'ai activé ma technique. Brrrah!
Ah, ça y est, l'OCS, mais. On y est presque. Et Yuki, elle tient bien le coup, hein. Oh, 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 bah. Allez, Yuki, finis-le. Finis-le, Yuki. Yosh! おめでとう。大したことなかったな。こんなの楽勝よ。よーし、やっつけた。やりましたね。お見事です。おお。奥の扉が開いたよ。おお。よし、行ってみよう。Qu'est-ce que c'est que ce truc?Des petits malins. Des petits malins. Qu'est-ce que... Un hôtel? Ça va être pour déclencher un assaut. J'avoue.でも何のギミックだろうねこれ。わからないけど、今回のクエストはなんとか俺たちが先行で逃げ切れそうだな。ざまみろシャムロック。そうだね。シャムロックと競り合ってるからちょっと焦っちゃうよね。やっぱり人数の差は大きいよね。最近はシャムロックだけじゃなくて付き従う人、クラスタが協力してるし。Ça sert à rien d'être un millier de monstres, enfin de membres, et ne pas être organisé. Live 中にセブンちゃんがファンの人たちに協力を呼びかけているんだってね。ああ、そうらしいな。Hein? Les v'là. Oh my tachi. 最近シャムロックと競い合っているスプリガンキリト一行だな。君たちには悪いが、このクエストの勝利者はセブンに譲ってもらう。ふざけんなよ。お前たちはセブンのファンか。俺たちはセブンの信奉者。七色博士の理論を信じ、そしてセブンの歌声とメッセージを愛する者だ。セブンクラスターってやつか。こういうプレイもスタイルの一つだ。俺は別に否定はしないさ。でもスメラギはこういった横取りのようなやり方を嫌っていたはず。お前たちは誰の指示で動いているんだ。自らの意思に決まっているだろう。君たちもこちら側に来い。セブンのためにスバルトエリア攻略の成果を全て捧げるんだ。ふざけんな、関係ねえこのものが。そうすれば争いも衝突もない世界で、皆がセブンの歌の通り平等に生きていけるだろう。キリト君、囲まれたわ。一人一人のプレイヤーの力はそれほどじゃなさそうだけど。人数レイドの上限限界ギリギリまで集めてるってわけか。え、c'est combien maximum? 30? ここはお前たちに譲るしかない。Quoi? Non, il n'y a pas de question. ハイエナプレイもここまでロボスだと潔いんだ。Je refuse de capituler. ケイト、お s'en bat. 悪く思わないでくれ。スバルトエリアの真の勝者はセブンだと俺たちは示さなくてはならないんだ。なあ、もう一度確認させてくれ。これはスメラギの指示じゃないんだな。ああ、あいつは関係ない。俺たちはセブンの思いに応えるために独自にやっているだけ。彼女を鼻と目で、そして俺たちはフサ。あ、いや、ウェアラブシュ。いや、ウェアラブシュ。incroyable。
Il a enfin ouvert la bouche. Hein? Vous allez avoir une belle surprise, moi je peux vous l'assurer. むしろ遊び方の一つだ。これを否定したら、俺たちはVR世界の自由度を否定することになる。いくら単体のプレイヤーとしては、ある程度の力を持った私たちでも、 数で挑まれたら太刀打ちはできないよ。クラスタが勝手に取った行動とはいえ、セブンがもたらす影響力の凄まじさはよくよく分かったぜ。本人に言った方がいいんだろうけど、最近会えてないよね。確かに。ならさ、今度会いに行こうよ。セブンちゃんのコンサートなら誰でも行けるでしょ。そうか、確かにそうだな。 コンサート中にどんな風にあいつがファンたちに呼びかけているのか、確かに見てみたい。 Détruisez Kirito! 次のコンサートが決まったら行ってみるってことね。 あ、そうしよう。 それじゃあ俺たちもスイッチを操作して次に進もうか。 Ah, c'est un levier, d'accord. 音はしたけど、特に変わった様子がないね。 重要そうな装置だけど、何が起こったんだろう。知らない。ダンジョンのどこかが変化してるのかな。びっくりした。早く行きたいな。Où est-ce que ça aurait changé? Oh! Qu'est-ce que... Oh, j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Et c'est ça. Eh, magique aéro. Ouah, ta 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 ta. Quoi? Sont rapides. D'abord. Trop mal. Vas-y. Ils sont très rapides par contre. Un peu gênant. What? Arrête d'être aussi rapide. Haha, Odenda. Quoi? Ah! J'ai pas le temps de réagir. C'est bon. C'était... Full silent, ouais. Oh, superbe la pose comme ça. Pourquoi il y a cette salle? Ça m'a rien rapporté, enfin je crois. Rien qu'à changer, enfin je crois. À moins que...
Là-bas, il y a un verrou. Allez, c'est bon. Je sais pas trop ce qui a changé par rapport aux autres salles. Hein? Je te mets pas en travers de ma route. Hein? Quoi? Putain, elles sont rapides maintenant, c'est quoi le délire? Elles étaient pas aussi rapides que ça avant. Est-ce que le fait d'avoir modifié le délire aurait accéléré la vitesse de l'ennemi? Comme ça? Haha, vous êtes d'un. Ah t'es super, je suis trop nul. Je suis trop nul. Il est où? Ah là, bonjour. Ciao Ned. D'accord. Il y a une salle que j'ai pas visitée encore. Celle qui est en haut là. Je sais pas encore fait ça là, je vais y retourner. Ça m'intrigue. J'ai loupé quelque chose, j'en suis sûr. Bah déjà ça oui, c'est bon. C'est celui-là. Après celui-là. Cassez pas tout non plus. Hein. C'est bon. Ah non, mais j'ai déjà fait ce passage. À moins qu'il y ait une deuxième statue. Non, il a été levé, baissé le levier. Où est-ce que c'était? Il y avait une porte à ouvrir en plus. Il me semble que c'est ça qui a. Oh, mais ça se coûte la masse. Plus tard, plus tard. C'est celui en face. C'est quand même bizarre. Il y a un endroit que j'arrive pas à accéder. Ah, mes oreilles. Urusai, son gnani. Sama, yokumo. Kso mon gars. Fred. Aïe aïe. Ouais, il se prend une branlée maintenant les machins. Il y a une salle que je veux absolument visiter. Ah. D'un côté, j'ai pas fait par exemple. Arrête de bloquer, merci.
Là, j'ai été sûr. J'ai une sagesse de Marlin. Oh. Atta. Du mitril. Non, c'est pas la salle que je visitais en plus. La salle est tout en haut à droite, vous le voyez? Il y a un téléporteur qui va dessus, mais j'arrive pas à y accéder. À moins qu'il fallait que je batte les monstres dans un temps requis. Est-ce que c'était pas plutôt ça? J'y pense, hein, mais je pense pas que ça soit ça. Quoique, on sait jamais. Hein. Voilà, c'est que je me trompe dans les téléportations. Je vais tenter l'autre. C'est peut-être ça en fait, j'ai dû me tromper dans le téléporteur. Non, c'est pas celui-là, donc c'était celui d'avant. C'est un petit peu labyrinthesque, hein, c'est normal. Les donjons sont très difficiles maintenant. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûr. D'abord, c'est ça. Et donc, j'ai déjà fait, ouais, c'est ça. Donc, ouais, c'est bon, j'ai tout fait. C'est bon, c'est bon. C'est tout ce que je voulais savoir. Donc, on peut y aller. Bonjour, au revoir. Encore un là, et on peut y aller. Et on pourra conclure ce live. Avec la défaite du premier boss du monde des ténèbres. Le premier donjon a été fait, ça y est. Enfin, il a été réussi. Donc, on va pour conclure ce live hein, qui s'est très bien passé. Avec énormément de défaites de monstres. Hein, surtout les monstres puissants qu'on n'arrivait pas à affronter auparavant. Hein, qui étaient 500, 600 et 700. Et bon, y a pas eu trop de mal hein, pour les vaincre. Au contraire, hein, ça a été pas mal. Pas mal du tout d'ailleurs. Donc voilà, allez, on franchit le portail. Petit cinématique peut-être. Effectivement. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Le fameux concert. Je sens genre je vais encore mettre du copyright sur les vidéos. Ouais, Kurai. おお、キリト。どうしたんだよ。お前普段通りを装ってるけど、口元が緩んで気持ち悪いぞ。やっ。そんなことねえよ。俺は言いたっていつも通りだぞ。ああ、いやいや、そうだそうだ。鼻の下伸ばして、だらしないわね。いや、悪いかよ。だって念願のコンサートなんだぞ。 クライン、本当にセブンちゃんのクラスタになっちゃったんだね。おおよ。今ではリパのセブンクラスタの一員よ。セブンちゃんのために全てを捧げる覚悟だぜ。ははは、super、もう結構さ。私、哀れんでるつもりなんだけど。もう。びっくりした。もうフェペア。始まるみたいだぞ。 Je vous dis pas le son comme ça attire dans les oreilles. Oh. Mina, attention.
セブンちゃん、プリビエイト。Waouh. Alors en fait là, la scène est bloquée. Hein. Donc seul le son va être diffusé. Waouh. Je peux pas diffuser la scène parce que c'est du copyright, hein, c'est bien ce qui me semblait. Donc vous la retrouverez sur YouTube, hein, vous chercherez sur YouTube concert de Seven. Ça me rappelle les concerts japonais, c'est exactement pareil. Tellement bon. Avec les petites lumières qui se balancent dans tout le public. C'est superbe. Oh, elle a de ses ailes aussi. Oh, elles sont immenses. Oh, 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 oh. C'est des level 1000 ça? La vache! C'est superbe! Et voilà, c'est revenu! Bon, bah alors c'est bon, c'est revenu. Hein, et, bon, par contre, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Hein. Désolé pour ce copyright. Hein, ça, c'est le truc par Namco. C'est le Japon qui a activé des nouvelles méthodes pour empêcher du contenu copyright d'être diffusé sur Twitch ou autre. Hein. C'est le truc de mon pays, ça, donc j'y peux rien. On a toujours été très droit dans le copyright. Donc, allons-y, on continue. Demo. こうやって見てると普通のアイドルのライブとかと何も変わらないよね。まあ、enfin, je cherche la musique sur le net parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. 他のプレイヤーの精神を操れるような特別なスキルが。付加されてるんじゃないかってちょっと疑ってたんだ。まあ、je pense que c'est à peu près ça。さすがにそういうのはセキュリティ的にも問題ですだよなみんな純粋にセブンに浸水していてこの場を楽しんでるってことなんだろうなうんあの世界 SAO を生き抜いた私たちも納得できるところではあるよあの子が掲げる歌のテーマこの世界はただの遊びやデータじゃない。ここではたくさんのプレイヤーたちがちゃんと生きていて、みんなで協力し合って何かを成し遂げようとしている。それは現実と何も差はないもの。種族同士の争いを推奨しないってのも、別に遊びを阻害しようっていうことじゃなくて、で、changer le monde en lui-même。単にこの世界を一つのソーシャルと考えた場合に。民族間で紛争するなと言ってるだけだもんな確かにあの子が提唱していることは一理あるんだよな加えてこの可愛くて透き通るような歌声なあクライドみんなが惹かれないわけはないよねうおーセブンちゃん最高だAh, ça c'est. Je crois que c'est un truc d'acclamation en russe. Ah Ité. Oh, je viens d'en prendre plein les tympans là. すごいよ、さすがセブンちゃん、サムロック。
セブンちゃんがギルマスやってるだけあるね。でもね、ここから先はとっても難易度の高いコストが多いみたいなの。そうですよ。そう、それこそ大勢で協力して挑まないとクリアできないくらいのクエストばかりで。頑張って！セブンちゃんファイト！だからもし可能な人がいたら、シャムロックのクエスト攻略に協力してほしいです。はいはい、来たわ。これね、明日の夜9時にシャムロックは新たなコーナンドクエストの攻略に出発します。なのでもし参加できそうな人がいたら、私たちのレイドに参加してくださいね。Alors c'était donc ça。俺絶対に参加する。私も俺も。おいやめて。おい、クライン、いいじゃねえか。俺もセブンちゃんと一緒にクエスト攻略したいんだよ。ダメ。ったく、やっぱりこの前のハイエナプレイはあのクラスタが独断でやってたっぽいね。ああ、そうみたい。マニピュレーション。まあでも、このノリで先導させられちゃ、クラスタの子たちもやる気満々で何でもやっちゃうんでしょうね。悪意のかけらすら出さず、人心を掌握する。まさに小悪魔って感じだね。お前ら、当たり前だろ。セブンちゃんは真の天使、世界一可愛い真の女神なんだぜ。はいはい、そうだそうだ。そうだな。でもこれで分かった、セブンは決してアコギのプレイを誘導してるわけじゃないってことだ。それさえ分かればもうここにいる必要はないな。よし、俺たちは俺たちで引き続き裏世界の攻略を目指そう。シャムロックに負けないために。たらけど。そうだね、キリト君。 Et voilà, on a appris comment Seven manipule ses fans pour faire le travail à sa place. Donc voilà, ça y est, on arrive à la fin du live pour ce week-end Sword Art Online. J'espère que vous avez bien apprécié ces deux jours, hein. Moi ça a été un vrai bonheur. Comme d'habitude, je me régale sur ce Sword Art Online. Et j'espère qu'on continuera encore et encore à découvrir plein de nouvelles choses et de nouveaux mondes surtout. Donc voilà, on se retrouve demain à partir de 14h pour continuer Destiny, hein, et rager comme pas possible, bien évidemment, et plein d'autres choses. Donc voilà, je vais essayer de me renseigner un peu sur l'histoire de partenariat avec Twitch, voir si je peux pas avoir un petit peu plus d'amélioration sur mon Twitch en lui-même, hein. Genre meilleur chat ou des trucs du genre, plus d'interaction pour attirer plus de monde aussi, hein. On sait jamais. Mais pas pour l'argent, hein, n'oubliez pas. Non, j'en ai pas besoin. Donc voilà. Donc je vous dis bonne soirée, hein, et mangez bien surtout, très important. Et dormez bien, surtout ceux qui vont en cours demain, bon courage à vous. Hein. Bien, il vous reste quoi, 2 semaines avant Noël. Donc profitez-en bien. Ça vous fera pas de mal un peu de révision. Allez, c'était Arza, on se retrouve demain à partir de 14h. おやすみなさい。そしてジャーナ。